Dear students, welcome to Brussels. Brussels, the capital of Belgium and the capital of the European Union. Donc voilà, les images d'Herman Van Rompuy qui arrive au Bruxelles Airport Sheraton. Alors, Solvésiennes, Solvésiens, déjà bonjour et bienvenue à cette troisième édition du JT Solvay. C'est vraiment la première fois qu'on a quelqu'un d'aussi important de la scène internationale qui vient donc un business game. On a eu la chance qu'il fasse un discours qui, je pense, a vraiment plu aux étudiants, qui les a motivés. Également, il leur a permis de poser des questions, donc quelques questions, et je pense que vraiment c'est pour les étudiants quelque chose qui est vraiment motivant et qui introduit bien en fait le commencement du SBG. Je suis très fier. D'abord, je félicite les étudiants parce que c'est encore une fois un succès. C'est remarquable. Et j'étais très heureux, très fier, à la fois pour l'école et aussi personnellement, d'accueillir Van Rompuy. C'est le leader européen. Work, chance and talent. Bonjour téléspectateurs. Nous avons vu dans cette vidéo les moments stellaires du SBG, parmi lesquels le discours du président du Conseil européen, Van Rompuy, où il décrit avec exactitude les prérequis pour le SBG. Work, chance and talent. À ce propos, nous avons décidé de suivre un de nos participants qui s'appelle Simon. Il est jeune, il est courageux, il est motivé. Et donc, nous allons vous montrer son parcours au Solvay Business Game dans les prochaines images. Simon, je suis étudiant en ingénieur architecte, un programme commun entre l'ULB et la VUB. C'était assez impressionnant de voir Herman Van Rompuy arriver, surtout qu'ils sont arrivés en procession, les deux portes sont ouvertes, il y a 8 personnes qui entrent d'un coup avec le garde du corps qui suit de très près Herman Van Rompuy. Son discours était assez inspirant, c'était intéressant. Ça faisait plusieurs années qu'on avait entendu parler du Solvay Business Game. Les années précédentes, on n'avait vraiment pas le temps. Je veux dire, la troisième et la quatrième sont assez lourdes. Et donc, arrivé en cinquième, on s'est dit, comme on a un horaire plus light, on va essayer. Alors, les deux premiers cases, je me suis vraiment beaucoup amusé. Le case sur la négociation, c'était vraiment très très intéressant. C'était super éprouvant physiquement, mentalement, c'est vraiment dur. On était très crispés. We'll be right back.
visiblement, en tout cas, leur feedback était qu'on avait donné trop d'informations et que c'était un peu, qu'on aurait dû se limiter à moins de points. Je pense que c'était surtout un double exercice où à la fois ils cherchaient un plan d'attaque de notre part et malheureusement pour nous, ça ne s'arrêtait pas là. Il s'agissait aussi de présenter ça d'une façon un peu innovante et créative. Voilà. Voilà, donc vous venez de voir les images des résultats et malheureusement, Simon n'a pas été pris, mais c'est malgré tout un grand challenge de participer à ce genre d'événement et il a fait ça malgré tout très bien. Alors, la suite des événements, Martha, c'est quoi ? Alors, nous avons vu qu'il y a 2 paires de bachelors qui ont gagné et 3 masters. En ce moment, on a la présentation McKinsey qui dure 15 minutes. Pendant cette présentation, les bachelors et les masters se préparent parce que juste après, il y a l'éloquence. C'est un moment où les bachelors s'affrontent et les masters s'affrontent. Et puis, il y a un dernier gagnant à qui on donne des super prix. Mais ça, ce sera à la fin de la soirée. Et ça va être très tense parce qu'il y a tous les participants qui vont écouter cet affrontement. Et je crois que ça va être juste génial. J'ai hâte de voir ce qui va se passer à l'éloquence, justement. On se retrouve tout de suite. Mr. Tadeusz Dąbinski. And Robert Honta. Do you know how society works? You give and you get. There are inputs, outputs. Society and democracy, in its core value, as a certain principle. You put the money in it and you gain value out of it. La première expérience en tant que jury indépendant et j'ai trouvé que l'événement d'une part est d'une qualité exceptionnelle, un niveau de professionnalisme qui m'impressionne et la qualité jusqu'au bout, on a eu donc 25 groupes de 4 personnes sur 3 heures, donc une centaine de personnes, jusqu'au bout on voyait des idées qui venaient avec beaucoup d'innovation ici, de créativité par là. Ok les gars, comment vous vous sentez à la fin de cette SBG? Comment c'était? C'était vraiment un événement super. Au début on avait un peu peur de mal faire, mais vraiment on s'est investi et toute la team était vraiment géniale. Il y a une ambiance super sur le lieu et au final ça donne des résultats comme ceci. Tout le monde est hyper content et nous aussi on espère pouvoir s'investir encore plus parce que c'est vraiment quelque chose à faire et je le conseille à vraiment beaucoup de gens. On a vraiment pris du plaisir à aider à organiser cet événement, c'était vraiment super. It makes experience as real as possible. It stretches students to the limit of their abilities, inspired by what they can achieve, and driven by their, or rather your talent to work harder. Dear partners, you, who are at the heart of the games, thank you for making this unique experience possible. Quelle est ton impression à la sortie, à la fin de cette SBG? C'est de qualité. Je ne m'attendais pas à un événement sans faille. En fait, on avait prévu plusieurs plans de sécurité et on n'en a pas eu besoin. Il n'y a pas eu de retard, il n'y a pas eu de faute dans le planning. Tout s'est passé comme prévu. Et je t'avoue, j'étais très surpris. Aussi, le deuxième point, c'est l'équipe. Alors, l'équipe de cette année était incroyable. Je sais que l'équipe SBG est très motivée, mais cette année, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont fait une photo avec Van Rompuy ou si c'est parce qu'ils ont trouvé l'endroit génial. Mais en tout cas, l'équipe était surmotivée. Ça nous a vraiment aidés. Comment on sent à la fin de ces 2 jours? Pas 2 jours, j'ai envie de dire. Une année de travail complète. Parce que ça met 1 an à préparer une SBG. Comment on sent? Ok. Bon, tout d'abord, je me sens un peu fatigué. J'ai pas beaucoup dormi.
Je pense que demain, en tout cas, et pendant la première semaine, la deuxième semaine, j'aurai une sorte de vide. Le fait de ne pas me réveiller avec des mails, avec des appels en absence, de ne pas avoir à rater des cours parce que j'ai des réunions, ça va manquer probablement. Mais... Pardon. Deux secondes. On sent de l'émotion quand même. C'est... Ok. Je me sens soulagé que vraiment tout s'est bien passé. Et comme je te l'avais dit avant, je m'attendais pas à ce que tout aille aussi bien. Du coup, bon oui, voilà, je suis heureux, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche en fait. Parce que je m'attendais à une erreur et on n'a même pas eu. Non mais c'est ce qui est excellent. Et je crois que de toutes les SBG qui ont été organisées, j'en suis même sûr, c'est la meilleure année. Alors l'année prochaine, ils vont avoir beaucoup de difficultés. Ça va être dur hein, de dépasser le niveau. Et encore une fois, j'aimerais, de la part de tout le monde, je crois, le féliciter et féliciter l'équipe de toute la SBG pour une organisation exceptionnelle. Alors c'est la fin de ce JT. Merci beaucoup Mathieu. Et on se retrouve à une prochaine édition.